Hi, first question. Did time start with the Big Bang? Est-ce que le temps a débuté avec le Big Bang? Thank you. This is a question that you actually get controversy on, because there are different theoretical models about how the universe may have started, and some of them, and the sort of the simplest ones, actually the universe comes from nothing, and then the universe appears from truly nothing, not a vacuum, from nothing, and time and space start at that point. And eventually you would expect it to go back, so there's no time and space, right? So there'll be a beginning and an end. But there are other models in which the universe is existing in a phase that's different from the one we experience. So a simple example of that is a universe that's continuously inflating, and then a part of it fluctuates and gets the conditions right to eventually make the transition to the kind of space we live in now. And in those cases, then there's a well-defined time before what we call t equals zero, the time that we, but there are other cases that you can imagine and make up where time itself isn't well defined. There was a before, but a before in the sense there were things before we said there was t equals zero, right? And so the answer to that question is an active field of speculation in cosmology, and it will cease being speculation when we find some hidden relics, that things that we haven't known to look for today, or we understand the theory better, and we can say whether the universe came from nothing or if it came from some pre-existing condition. Il y a des exemples, donc il y a des théories où l'univers apparaît au Big Bang à partir de rien, donc le temps et l'espace démarrent au moment du Big Bang. Il y a d'autres théories où il y a un avant Big Bang et l'univers est dans une phase, par exemple une phase d'inflation, et à partir de là va naître notre nouvel univers. Dans ce cas, il y a un univers avant le Big Bang, qui est dans une autre phase, si vous voulez. Et puis, il y a encore d'autres spéculations selon lesquelles la notion de temps est différente. Et donc, parler d'avant le Big Bang, on est en train de parler d'une éventuellement, c'est quelque chose qui est comment dire, qui doit être réinterprété en termes d'un objet qui remplacerait le temps lui-même. Donc pour l'instant, c'est donc le sujet de spéculation théorique assez intense. Il va falloir voir après si dans le cadre de ces théories-là, il y a des reliques, ou si vous voulez, des fossiles de cette phase qui pourrait être avant. Des empreintes, si vous voulez, de cette phase qui serait éventuellement avant le Big Bang, qui va évidemment dépendre des théories. Donc ça dépend, dans le cas de chaque théorie, de voir quelles empreintes il peut y rester de cette époque-là. Et à ce moment-là, les observateurs vont essayer de trouver ces empreintes-là, mais c'est une question qui dépend des modèles d'interprétation. Alors, deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut rien voir avant le fondisme cosmologique qui représente les premières lueurs de l'univers? Why can't we see anything beyond the first light of the universe? So, it's good that you asked the question both ways, because it reminds me that French is much longer than English. So, I tried to make my answer short so that his answer is only long. And so, there are a couple of ways to think about this, and the first is the simple way, which is we live in a universe that's cold now, but it's not absolutely zero. It's 3 Kelvin, 3 degrees above absolute zero. If you take the universe back to when it was 1,000 times smaller, it's 1,000 times hotter, so it goes from 3 Kelvin to 3,000 Kelvin. At 3,000 Kelvin, there's enough energy in some of the photons to ionize hydrogen and make free electrons. The scattering cross-sections for free electrons with light is many orders of magnitude, almost 14 orders of magnitude higher
than for neutral atoms with light. So the universe goes from being very transparent from light in the, when it's colder than 3,000 degrees to being very opaque, where the mean distance that light can go is less than 100 light years. It's very, very short distance. So you quickly have this change from very transparent to very opaque. That's many scatterings. And so the example, when you see a big cloud come over, the cloud scatter, the air is very transparent, so you can see the cloud, but you can only see a little ways into the cloud. A very thick cloud, you can't see behind, you can hardly even see the sun, right, which is a very bright source. Here we have the sun everywhere, so it's just a uniform glow. So the simple answer is the universe is opaque because it makes the transition to being ionized. The free electrons scatter the radiation so much that it's that it just makes it all uniform. La version longue maintenant. Donc dans le modèle actuel, donc l'univers présent est froid et peu dense, et quand on remonte typiquement à 3 degrés Kelvin, quand on remonte dans le temps, il est de plus en plus chaud et dense, et donc par exemple, à un certain moment, la température atteint 3000 degrés, donc à ce moment-là, les protons et les électrons qui forment l'hydrogène, les électrons vont, il y a suffisamment d'énergie dans l'univers, la température est suffisamment élevée pour qu'à ce moment-là, les électrons puissent être arrachés aux protons, et ces électrons vont interagir avec la lumière. À ce moment-là, la lumière est capturée à cause de cette réaction avec les particules ionisées. La lumière est capturée et ne se propage pas de façon libre. Typiquement, à cette époque, au bout de, une fois qu'on a franchi 100 années-lumière, elle est complètement absorbée. Et donc, on n'est plus dans un univers transparent, mais un univers où la lumière est assez rapidement absorbée, et donc un univers qui devient opaque. Et George a pris la comparaison avec un nuage assez dense qui peut vous occulter le soleil, qui est pourtant une source très, très intense. Bien ici, la lumière elle a été mise partout, donc les soleils sont partout, si vous voulez. Mais le nuage est souvent dense, et ce nuage, c'est donc des particules ionisées, pour absorber complètement la lumière. Et donc, à partir de ce moment-là, l'univers est complètement opaque. So, now I'll qualify it a little bit, because you can actually see a little further, a little bit by the scattering, but by the fact that other things carry information that then the light carries. So we'll use the sun as an example. When you look at the sun, you can only see into the surface of the sun because it's ionized inside, and then there's a vacuum so the light travels easily. But if you want to see inside the sun, you can use the fact that sound waves go through the sun, just like an ultrasound of a pregnant woman or ultrasound looking inside your body. The sound waves travel from inside the sun to the surface, and you can image the sound waves on the surface of the sun and see what's going on inside the sun. You can do the same thing from sound waves that come from the beginning of time until that last scattering, and you can learn something about what's happening earlier. There may be other relics too. Donc il précise un peu sa réponse. De la même façon que, en reprenant l'exemple du soleil, de la même façon que dans le soleil, vous ne pouvez pas voir l'intérieur parce que le soleil est opaque, à la lumière, vous ne voyez que la surface du soleil. En fait, vous pouvez aller voir un petit peu à l'intérieur du soleil, par exemple avec les ondes sismiques qu'il y a dans le soleil, et qui donc vont traverser les couches internes et vont avoir des effets sur la surface du soleil que vous pouvez, eux, mesurer. Donc ça, c'est la même chose ici. Vous pouvez avoir l'équivalent des ondes sismiques qui vont venir de la période opaque, mais qui vont avoir des effets sur ce que vous commencez à observer et qui vont vous permettre donc d'avoir des informations. Même si vous ne pouvez pas aller au-delà avec de la lumière, en observant donc le fond cosmologique, vous allez avoir des informations sur ce qui s'est passé avant, un petit peu comme dans cet exemple-là. Et puis il y a d'autres empreintes possibles, il n'a pas précisé, mais ondes gravitationnelles, neutrinos, etc.
Que verrait quelqu'un placé à 13,7 milliards d'années-lumière de nous? What would see somebody located 13.7 billion light years far from us? So 13.7 billion light years from us would be a handy place, because those are the people as far away as we could get information from. They could tell us about what looked like further out from them. But what we can anticipate from what we can see and what we think we understand, and later we will have even additional data to that, is that they should see very similar to what we see. That is, if you were at a teacher's workshop, you know, in Strasbourg, what would you see? You would see a person standing in front of you, and you would see a bunch of teachers, right? We can predict that what people should see should look the very same. They should see around them a universe that looks very uniform, but with small variations that are statistical, that only vary a little bit by random chance from one place to another. That random chance, as you heard, is what makes galaxies. So the exact galaxies won't be the same, but the average number of galaxies and the average distribution should be the same. So what we think is anybody, no matter where they're located in the universe, they're going to see roughly the same thing, but only statistically the same thing. 13,7 milliards d'années-lumière, c'est effectivement une distance intéressante parce que c'est la distance maximale avec laquelle on peut avoir un échange d'informations. Éventuellement, on pourrait comparer nos données. Mais a priori, ils devraient voir à peu près la même chose que ce que nous voyons, c'est-à-dire autour d'eux un univers relativement homogène avec quand même des fluctuations de matière qui formeraient donc des galaxies. Alors évidemment, la forme exacte des galaxies dans cette région-là est peut-être un petit peu différente de celle qu'il y a autour de la nôtre. Mais en gros, ils verraient donc à peu près la même chose et puis de plus en plus éloigné jusqu'au fond cosmologique. Mais c'est un des principes de base de la cosmologie qu'effectivement, ce que vous observez ne dépend pas de la position où vous êtes. Et donc, ils devraient observer à peu près la même chose que nous. So I'll add one more. We're only beginning to test this more directly by various observations. But one observation is you can look at a cluster of galaxies. You remember seeing pictures of clusters of galaxies, and they have a hot gas. That hot gas has the microwave radiation coming into it, and it will scatter it to different angles. So you can see what the bath of radiation is around a distant cluster by the radiation it scatters to us. So you can see if they see the same thing or not. Donc en précisant un petit peu la réponse, on commence à avoir des informations sur ce qui pourrait voir et ce que pourrait être leur environnement immédiat. Par exemple, si vous avez un amas de galaxies, vous allez avoir, il va recevoir de la lumière du fond cosmologique. Cette lumière va être un petit peu diffusée puisqu'elle va interagir avec cet amas de galaxies. Et nous, dans certains cas, on va observer cette lumière diffusée. Donc on peut avoir de l'information sur, par exemple, le gaz chaud qui est autour de cet amas de galaxies et donc un certain nombre d'informations pour vérifier qu'effectivement, la situation est assez similaire sur ces objets qui sont très distants. So not only can we ask that question, but we're getting to the point where we can really test it. Donc non seulement on peut se poser la question, mais on peut aussi et apporter une réponse, mais aussi dans un futur relativement proche, tester aussi effectivement la réponse et voir si les observations correspondent à effectivement cette réponse que les observateurs, l'univers vu des différents observateurs, ne dépend pas de l'endroit où vous êtes. Quels sont les scénarios possibles pour l'évolution de l'univers? What are the possible screenplays for the universe evolution? Okay. So when I saw this question, I wasn't sure whether you're asking for something that's like French literature or whether you're asking just to describe what might have gone. Well, what would go on? Okay. So it's like all things. There's a birth, a beginning, right? Before we didn't know, used to think some things were always there, but now we know everything we can see came into being and then goes through an evolution and a change, and comes into being the way it is now, and then you can project into the future what it might be like. And so in the case
we now know everything we can see in the, you know, the 14 billion light years in any direction, roughly, that all of that was once in a very small region, and it once came into being, not only the matter and the energy, but the space and the time, everything that we see came into existence. And it's gone through a series of steps, right? The creation of space and time, the cleaning up of the stage, the depositing of the energy, the formation of the building blocks of matter, right? The quarks and the leptons, then the building of the protons and neutrons, and then building the light elements, and then eventually the transparency of the universe, the stars. So there's a whole series of scenes. Each one of them is actually very well-defined kind of an issue. They're not all meshed together so much. They're sort of in stages for almost all the part where you're making the light elements, you're making the universe transparent, you make the first stars and galaxies, they evolve and so forth. All those steps along the way, there are just a sequence of growth stages, just like if you took a child and you could see the conception, you could see the birth, you could see the various stages of development. The universe is going through like that. And then we can then guess what the future might be. And, you know, some guesses are good, some are not. But we have a lot of uncertainty because the universe is right balanced on an edge, and we have this acceleration of the universe, the dark energy, and it controls the ultimate fate of the universe. So we have to study it to understand what's going to happen in the future. Oui, donc c'est un petit peu comme toute histoire. Il y a un début, il y a un développement, et puis il y a une fin. Donc pour l'instant, on a une connaissance assez précise des différentes scènes qui représentent l'histoire, au moins de la partie de l'univers qu'on observe. Donc les 14 millions d'années de lumière qui nous sont accessibles, on sait qu'ils étaient concentrés dans une petite région de l'espace au tout début de l'univers. Et ensuite, on a eu, depuis ce Big Bang, cette apparition de l'espace et du temps, on a eu un certain nombre d'étapes qui ressemblent un petit peu aux différentes scènes d'une pièce de théâtre, avec l'apparition des premiers éléments, l'apparition des formations des protons et des neutrons, l'apparition des premiers éléments, la première lumière dans l'univers, puis la structuration de la matière, les galaxies, les étoiles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses qui sont assez bien, qui sont de façon séquentielle et qui sont assez bien comprises. Ensuite, après, si on veut faire des prédictions, donc il y a plusieurs scénarios. La difficulté pour faire des prédictions sur l'avenir de l'univers, c'est qu'on est à un moment d'accélération de l'expansion de l'univers, qui a été récemment découverte et qu'on attribue à une nouvelle forme d'énergie qu'on appelle l'énergie sombre, et qu'il faut mieux connaître cette énergie sombre, comment elle est apparue, sa nature, etc., pour voir le rôle qu'elle peut jouer. Et effectivement, tant qu'on ne connaît pas cette partie-là, c'est un petit peu difficile de prédire quel va être le futur de l'évolution de l'univers. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on étudie cette énergie sombre de façon détaillée en ce moment. C'est pour identifier, pour connaître la fin de l'histoire. Le concept de matière noire subira-t-il le même sort que celui d'éther? Will the dark matter concept have the same fate as ether? Oui, certainement. It's an interesting question because ether is an idea that keeps being reborn. And it started with the ancient Greeks in the quintessence, the fifth, I don't know how you say it in French. Quintessence. That there was, the things in heaven were made of different things than things on the earth. It was the fifth essence. We learned to extend our laws. That's just why we can do cosmology. The laws from science on earth to the universe as a whole, but we still later on needed to invent the ether and then realized you didn't have to have the ether for gravitational waves. But then we reinvented the ether for other things, and those other things, for example, include the Higgs particle, which the LHC is either going to find or not find in the next year.
roughly. And but we also have this dark energy. We have other things that we think fill up space. So we keep reinventing the ether, but in a different form. But the dark matter was invented to solve a problem which may be a gravitational problem. But my guess is that the dark matter will actually stay, and we'll discover it. I hope the LHC will discover it. But we'll discover it's some kind of a thing, and that it's going to exist that way. But if you do a poll of physicists, you will find some disagreement, although I think you will find a large fraction believe there'll be dark matter. But we can ask Federico what he thinks. We have postdocs who make their living trying to understand this problem. Ok, c'est une question intéressante parce que la question de l'éther revient régulièrement. Alors depuis les Grecs et la notion de quintessence, de cinquième essence, qui était l'essence dont étaient faites les astres et les planètes, jusqu'à la physique pré-moderne qui avait introduit effectivement cette notion d'éther qui était contredite par les entre autres l'expérience de Michelson-Morley. L'éther revient d'une certaine façon, par exemple, de nos jours, quand on parle du champ de Higgs, dans lequel, associé à la particule de Higgs, dans lequel nous baignerions, et revient d'une certaine façon quand on parle d'énergie sombre, qui serait une forme d'énergie qui serait aussi très diffuse. Donc, si ce n'est pas l'éther exactement, c'est des choses qui sont un petit peu similaires. Donc, c'est une notion qui revient régulièrement sous des formes diverses et variées, dans le sens d'un milieu diffus dans lequel nous baignerions. En ce qui concerne la question particulière de la matière sombre, l'opinion de George, c'est qu'elle est formée de particules et qu'il espère qu'on découvrira ces particules rapidement au LHC. Maintenant, c'est une question de débat auprès parmi les physiciens et les astrophysiciens. Certains pensent qu'il n'y a pas de matière sombre, mais que les effets qu'on observe sont dus à une modification des théories de la gravité. Mais disons que si on faisait un sondage parmi les physiciens, ils pensent qu'une large majorité serait plutôt en faveur quand même d'une nouvelle forme de matière, une nouvelle forme de particule qui serait la source de cette matière sombre. Voilà, et donc, entre autres, les postdocs du centre de cosmologie travaillent sur différentes options depuis celle d'avoir une matière sombre sous forme de particules jusqu'à des théories de modification de la gravité. Donc c'est un sujet d'étude tout à fait actuel. Pourriez-vous donner un exemple de ce qui vous a plu et déplu durant les premières années de votre apprentissage scientifique? Could you give an example of what pleased and displeased you during the primary years of your science learning at college? Okay, thank you for that. Today I'm complaining because I'm having to write 15 letters of recommendation. So in between the lectures and the part I'm typing and trying to email letters of recommendation. And I remember first applying to college being stressful and having to go through that process. But when I got to college, at least it was very interesting and very much of a challenge. I actually enjoyed that. But I thought you should be asking the question about high school, or does he mean high school? When you say college, do you mean high school? High school. Okay, good. All right, now I'm ready to give you trouble. Were I a high school student now, I would be much more trouble than I was then. And even then, I got bored with my physics class, right? Because he was teaching the same thing over and over again, and I wanted to know new things, and I was getting my father to buy me books and do stuff. Now I have the internet. I'm a high school student, and I have the internet. I'm gonna want to learn everything about physics. And there's more physics, much more cosmology, right? So I think that if I'm teaching a professor at high school now, I have to be in partnership with my best students, because I'm having to learn
the same thing they're learning, because they're going to want the most up-to-date things, and they're going to come and ask questions, and that actually is kind of interesting. That's what we do with graduate students and postdocs. The best ones will come and tell us about stuff, and we go to this, we have discussion, journal club and discussion, to try and hear what's going on. I'm surprised you haven't asked about the faster than light neutrinos, but that was an Italian discovery, right, Federico? And so we have talks and discussions about that, and it's different when you're a professor at a university. You no longer think, except in the lower division courses, are you more of an expert than the students. You're a partner with the students in learning, and that was the thing that frustrated me in physics. In chemistry, it was all new and different for me, and I was in an advanced course, and I got to try a lot of things in the lab. In physics, it was clearly stuff that, you know, people in France were doing 100 years earlier, right? That's now, let's see you translate that. Okay, donc vous allez regretter d'avoir posé la question. d'abord, il y a la notion de college, et donc, mais pour répondre à la question spécifiquement sur le lycée, il s'ennuyait beaucoup dans ses cours de physique au lycée, entre autres parce qu'il avait l'impression que le prof répétait toujours la même chose, alors qu'il avait envie d'apprendre des choses nouvelles. Et donc, il demandait à son père de lui acheter des livres pour apprendre toutes ces choses nouvelles. Alors maintenant, de nos jours, il y a Internet, qui est effectivement un fantastique endroit pour apprendre beaucoup de choses. Je vais rajouter personnellement des choses vraies ou des choses fausses, d'ailleurs. Mais il ne l'a pas dit, ça. Alors, il a dévié un petit peu de la question, mais il a expliqué qu'il voyait plutôt maintenant justement l'intérêt des meilleurs étudiants comme une source pour les enseignants d'aller au-delà. Et il a comparé ce qui se passe dans la recherche, où il a indiqué, et je pense qu'on peut tous témoigner, que nos étudiants en thèse et nos jeunes post-docs qui s'intéressent à beaucoup de choses sont vraiment un aiguillon pour les chercheurs plus confirmés, même les prix Nobel, pour aller de l'avant et pour avancer dans la compréhension du domaine. Et qui voient un petit peu au niveau d'une classe un partenariat comme ça entre certains étudiants brillants et qui veulent en savoir plus et les enseignants. On pourra peut-être discuter de ça après, pour que vous donniez aussi votre avis, peut-être. On va peut-être continuer les questions pour l'instant. So this will be a topic of discussion, I'm sure. Yeah, that's what we're saying. Question suivante. Que mesure-t-on pour connaître l'univers? What do we measure in order to know the universe? Okay, so we try and measure everything we can, but more than 99% of the information that we have about the universe comes from observing light. And so clearly the microwaves and the x-rays and the optical, right? Most of our research has been in the optical over history, but now it's spread into the infrared and into the microwaves and into the x-rays. But so most everything we learn about the universe comes from light coming to us, and it comes to us, you know, along the light cone, so that we're seeing back in two dimensions a cone, the history of the, you know, time and distance going like that. And that's why you see the diagrams that we show you. There are some other things that we learn about the universe, the fact that this table is here and it's made out of carbon, nitrogen, right, iron, things like that. Those, aluminum in this case, those are also things that come to us from earlier times and we use to understand the universe. And we hope to find other relics than just the things we see visibly. Some things we see them far away, and then light carries the information to us about them. So we see an object that's far away, and the light carries us the information. Sometimes the light is carrying aggregate information about the whole universe, sometimes about individual objects. But only a few things do we get our hands on and we test. As you saw, we've only got samples back from the Earth, from the Moon, and from a few comets and other places. We were hoping to have some back from Mars, but that didn't happen.
and we will eventually. And so, you know, we keep looking to see if there are other relics or other things we can see. And sometimes they get more subtle. Ken Ganga was telling you about the cosmic microwave background. He didn't have enough time to tell you. We also try and get information from the light, from the polarization, but also from the statistical patterns, you know, whether it's, whether it's all simple, you know, normal distribution, or there's some non-Gaussian factors and so forth. And so the thing that we still get almost all our information from is light, and we try and measure essentially the history of the universe by using the light along the way. Oui, donc la plupart de l'information qu'on a vient de la lumière qui nous vient de sources plus ou moins distantes. 99,9% de l'information qu'on a sur l'univers donc vient de cette lumière-là. Alors ça peut être, d'abord ça a été la lumière visible, et puis maintenant c'est la lumière sous toutes ses formes et sous toutes ses longueurs d'onde, infrarouge, ultraviolette, les rayons X, etc. Mais donc pour l'instant, l'essentiel de l'information qu'on a, c'est ça, plus un certain nombre de ce qu'on appelle des reliques, c'est rien de religieux, mais donc des choses qui nous restent. Par exemple, cette table, elle est formée de carbone, d'aluminium, de fer, et on peut se poser la question d'où viennent tous ces éléments. Donc c'est aussi une observation qui peut nous être utile pour comprendre l'évolution de l'univers. Et puis on peut aussi avoir, la lumière est aussi un vecteur qui nous permet de transporter de l'information. Et donc, par exemple, en observant le fond cosmologique et les fluctuations du fond cosmologique, on peut avoir des informations parce que simplement cette information-là nous est transmise par la lumière jusqu'à maintenant. Et donc, il peut y avoir des informations qui nous viennent. Et il a pris l'exemple de la polarisation du fond cosmologique qui va nous donner, elle, des informations sur les ondes gravitationnelles et donc sur des périodes antérieures. Donc c'est aussi une autre façon d'utiliser la lumière, cette fois-ci non pas en tant que source directe, mais en tant que transportant de l'information qui vient d'époques bien antérieures, en sachant bien que la lumière, il y a toujours cet effet de vitesse finie de la lumière, et donc on ne voit pas tout l'univers, on voit l'univers lointain, mais à des âges plus reculés. Alors, que pouvons-nous attendre des données transmises par le satellite Planck ? Risque-t-elle de remettre en cause la validité des théories actuelles ? What can we expect from the Planck satellite data? Will they study the validity of the prevailing theories? Okay, thank you. So I have to be careful what I say here because the ultimate results for Planck are embargoed until the papers are written and approved. But I can say we know the satellite is working well, and we've released a certain amount of data. You saw the first year map showing up, where it's clear we're learning a lot about the galaxy in the sky, and we also see that it's performing better than the WMAP satellite. So we will get higher resolution maps and more wavelengths so we can separate the galaxy. So we will improve our measurements of what the early universe looks like, the picture of the embryo universe, or the baby picture of the universe. We'll improve that quite a lot. That should allow us both to estimate the parameters of the cosmological models and to actually test the cosmological models and their science in a better way. And so, yes, it will be testing the validity of the prevailing theories and determining their parameters more precisely. We hope that it will make some new discoveries, may see the polarization of the microwave background, may see some non-Gaussianity in the statistics or some other kinds of things like that. But the most critical thing it will do is provide us a much stronger and tighter handle on what the model of the universe is that we're testing. Donc dans la réponse, il faut qu'il fasse attention puisque les données de Planck sont en train d'être analysées et que pour l'instant il y a un embargo sur ces analyses là tant qu'elles ne sont pas publiées. Donc elles seront publiées probablement dans un an, donc les physiciens font un travail de fond
Et donc, tant que ça, il ne peut pas vous dire éventuellement ce qu'il sait sur les résultats de Planck. Par contre, il est vrai que ce qu'il peut dire, c'est qu'effectivement, comme Planck fonctionne très bien, prend des données extrêmement précises, on s'attend à ce qu'effectivement, ça puisse non seulement tester les théories existantes, mais en plus de ça, mettre des contraintes très précises sur les paramètres de ces théories-là, beaucoup plus précises que ce qu'il y avait avant, puisque les cartes vont être beaucoup plus précises. On peut aussi espérer des découvertes, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Par exemple, découverte de la polarisation du fond cosmologique, qui pourrait à ce moment-là être attribuée aux ondes gravitationnelles primordiales, ou d'autres découvertes plus inattendues. Mais ça, il faudra attendre que les papiers soient publiés pour voir ça. En tout cas, ça va donner des contraintes beaucoup plus fortes sur les modèles existants que ce qu'on a pour l'instant avec WMAP. According to you, is there a lack of scientists in this field of physics? La question, c'est est-ce qu'il y a un manque de scientifiques dans ce domaine? Right. So we, and this is one of the most popular fields, and the problem is in almost all advanced economies, which would include France and Europe and the United States and a little bit in Japan, there are fewer people going into science and engineering than there used to be, and there are more people, therefore, having to be imported from places like East Asia, like China, India, and so forth, and Indonesia even. And so it's something you should have noticed as a teacher, that there are fewer students who are thinking about going forward in the technical careers, in engineering and in science, and yet it's vital to the functioning of a modern society. And so one of the fields that does attract people in is cosmology and astrophysics, both because it's exciting and because it appears in the newspapers regularly with beautiful pictures from Hubble or from other, you know, from ESO. It is one of the fields where people actually think they like it and they understand it, and therefore they're motivated to go on and do science. So one of the reasons we teach these, you know, how to teach about cosmology is because that is a way, that is a sort of a gateway drug to bring people into science and technology. Oui, comme vous savez, il y a une désaffection vers les carrières scientifiques et techniques, et en particulier bon, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis et en partie au Japon, qui fait qu'il faut de plus en plus compter en particulier sur les pays asiatiques, Chine, Corée, Inde, etc. D'un autre côté, c'est un domaine, celui-ci, qui parle immédiatement à beaucoup de monde et qui attire un certain nombre de jeunes. Et donc, c'est aussi une des raisons d'utiliser ce domaine-là, qui est à la fois scientifique, technique, mais aussi se relie aux grandes questions. L'idée un petit peu aussi de cet atelier, c'est de réattirer les jeunes vers les carrières scientifiques et techniques en utilisant effectivement l'intérêt qu'il y a pour toutes ces questions-là. So you could ask, how could I be a professor in France without teaching in French? And the answer is, in the cosmology master's courses, the two masters, there are between a third and a half of the students are foreign students, and they would rather learn the science in English than in French. Oui, donc peut-être vous posez la question comment il peut être professeur en France et pas parler le français. Et donc il souligne qu'effectivement maintenant, au moins au niveau des masters, il y a un tiers des étudiants qui est étranger et qui éventuellement préfèrent même avoir un enseignement en anglais qu'un enseignement en français. This is new. 2 years ago, it was half in French, the course was half in French, half in English, but now it's 100% in English. Effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau, en tout cas dans le master de Paris 7 dans lequel Georges enseigne. Maintenant, l'ensemble des cours sont en anglais, en fait. Par rapport à il y a 2 ans, il n'y avait que quelques cours en anglais. Maintenant, il était décidé que l'ensemble des cours étaient en anglais. Je voudrais revenir à la question générale. Est-ce que
Peut-être pour vous motiver vos réponses, la question, ça serait, est-ce que vous pensez que vous pouvez utiliser ça, cette interview, une fois qu'il est reconstruit, etc., en classe, avec vos élèves ou avec d'autres collègues? Ou est-ce que ça risque d'être un peu difficile? Est-ce que ça peut être un point de départ? Comment vous voyez les choses? Quelqu'un se lance? Je pense que ça va être un petit peu difficile à utiliser en classe, tout du moins sans avoir vu l'ensemble des conférences d'avant, ce qui est impossible à faire dans le temps qui nous est donné. Par contre, je pense que ça peut être un très bon point de départ pour ce qui est du point de vue lycée, c'est pour les TPE. Donc, c'est-à-dire avoir des travaux personnels donc de nos apprenants, mais avec justement des points de départ, des questions de cosmologie, et du coup avoir... l'aspect sciences de l'univers, donc SVT, et l'aspect physique qui sont mélangés dans cette matière. Mm-hmm. Et pouvoir utiliser un petit peu tout ce qu'on a vu durant ces jours. So my question was that VVV could use this interview for, you know, in the class to address the, you know, these questions. And the answer was that probably not in class because it's a little too high. Need too much, a little too much background. But, you know, that might be... easier and what is called TPE, which are personal works for students, right? Where you know, that could be a starting point to introduce the questions, and then the students are working, right, on their own. So we are going to put these lectures on the web, at least if DDA is successful with the recordings and so forth, and we make things work. However, I had another project which I haven't had time to get started here. I have a website called universeadventure.org, which I could bring up here or something like that, which is in English and in Korean, but not in French yet. And it will hopefully be in Russian not so long from now. So if there are some interested high school teachers and students who want a project, we have the original source of that, but it's not translated to French yet. I usually try and find some volunteer college students, but I haven't been teaching. I've been teaching master students rather than college students. And so, but we have a website that actually is aimed at the high school level to introduce the basics, you know, about space and time, about what observations we have, about, you know, it's actually got the equivalent of a movie of the universe that's showing the various stages and so forth. And it's in English rather than French. If there's somebody who's eager to help translate it into French, that would be a great project. Oui, en parlant de travaux personnels, donc on reviendra un petit peu sur le rôle que vous pouvez jouer après, et, entre autres sur le site web, on va mettre de toute façon toutes les conférences, cette interview, etc. Donc il y aura du matériel que vous pouvez utiliser. Par ailleurs, il a un projet qui s'appelle Aventure dans l'univers, qui pour l'instant existe en anglais, en coréen, et bientôt en russe, donc il souhaiterait essayer d'avoir une version en français, et donc ça pourrait être aussi, donc l'idée c'est de le traduire, évidemment, de comprendre de quoi il s'agit pour avoir une version française de ce site web, et donc ça pourrait être éventuellement pour certains de vous intéressés, ça pourrait être le sujet de travaux personnels aussi au niveau de vos élèves. Ils regardent aussi du côté des étudiants en licence, donc pour voir s'il y en a que ça intéresserait de participer à la conception de ce site en français. Donc on en parlera peut-être demain après-midi, pour voir si... Économique, industriel, est-ce que sur tout ce que vous recherchez, il y aurait pour avoir un intérêt, entre guillemets, d'utilité publique, moins que sur la connaissance de tout ce qui nous entoure. Je vous laisse traduire. So the question is, you know, are there some practical applications of cosmology, you know, besides, you know, knowledge? All right. So the most important application of cosmology is the way it influences people, both in terms of attracting them into the field and giving them perspective about what our place in the universe and what our place in the world is. And there are
almost all the commercial aspects that have to do with cosmology have to do with what we call spin-offs. So it's like the space program. In the early days, the space program did not have many practical applications. Now it does. It has geosynchronous communication satellites and so forth, and Earth resources satellites. But it was the spin-offs of the new technologies and new products. And there are a lot of smart young people who are very highly motivated, and they make inventions or create new things in order to do cosmology, and those tools have applications out in industry, and many of them eventually go and start companies. So I've had several of my former students and postdocs go and get startup money and start companies in the United States, not yet in France or something like that. And some of them have been quite successful. So the answer is, it is the training and the learning, the techniques and the technologies that then get transferred out into the private sector that have the commercial applications. Donc le but du domaine n'est clairement pas les applications, mais une meilleure compréhension de notre univers et notre place dans l'univers. D'un autre côté, c'est un domaine où il y a de fortes innovations technologiques, on est à une certaine frontière technologique, et donc il y a évidemment des développements qui sont faits, et des développements qui sont innovants et qui trouvent des applications dans l'industrie. Donc le but n'est pas de faire des applications dans l'industrie, mais on est à une frontière technologique, et donc il y a des nouvelles techniques qui sont, ou des nouveaux détecteurs qui sont mis au point, et qui eux trouvent des applications dans le domaine industriel. Il ne donnait pas d'exemple précis, mais il indiquait qu'un certain nombre de ses anciens étudiants ont créé des boîtes et qui maintenant ont un certain succès, justement à partir des techniques qu'ils avaient dû mettre au point pour les détecteurs, pour les missions spatiales, etc. Donc c'est plutôt à ce niveau-là qu'il y a des applications. Que c'est pas le but du domaine, mais à partir du moment où on est dans un secteur très innovant technologiquement, il y a évidemment des retombées industrielles. And if you want, I can give you a couple of examples. Deux exemples. Right. So one of them was a French student, a French person who was a graduate student with me in Berkeley, and Marc Benzedoun, and for various reasons, wanted to stay in the Bay Area, family reasons. And so he started a company combining three technologies that we developed in my group to measure the microwave background: computers, and, you know, computer communications, microwaves, which obviously we were doing, and started a company which would, for other companies, when they moved into a new building, wire them up so they had an internet connection and actually connections between buildings. This is many years ago when not every building came with wires to begin with. And he's built that company up. I saw him a week ago, briefly. And his company has more than 200 employees now, and it's moved into more phases since then, but it's still using the same technology. So that's one example. So I had another postdoc who was an American, or undergraduate, and I mean a graduate and then a postdoc, and he was developing the bolometers, the deposition for bolometers for the very precise measurements that we do, where we cool it down to look at the fluctuations of the microwave background. And he started with other people a company which is making medical doses. So the big problem in medicine is how do you spray with aerosols to get a quick dose to people, a well-known, well-defined dose, right? A spray bottle doesn't give such a nice dose. So using techniques for the vapor deposition, he developed the tools for medical, the dosage of medical products, and that company is quite successful. I have other examples. So unfortunately, all of those postdocs are much richer than former postdocs and students are much richer than I am, but they're very successful. Donc il a donné deux exemples, un petit peu pour que vous voyez de quoi il s'agit. Dans le premier, c'est un ancien étudiant français qu'il avait à Berkeley, qui travaillait donc justement dans le laboratoire de George, et qui a utilisé ses compétences aussi bien dans les ordinateurs que dans tout ce qui est transmission micro-ondes, donc pour développer, bon, il y a un certain nombre d'années de ça, des...
disons une boîte qui s'occupait de développer justement des liens entre différents bâtiments une compagnie rentre dans un bâtiment, elle a besoin de ses ordinateurs et de liens entre tous ses ordinateurs. Et donc, il a utilisé ses compétences dans les transmissions micro-ondes pour créer quelque chose qui puisse être utilisé immédiatement dès que les gens arrivent. Et donc, maintenant, il l'a vu il y a une semaine et c'est une boîte qui fait 200 personnes. Donc, vous voyez un exemple de transfert technologique. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui travaillait sur les bolomètres. Donc, c'est ces détecteurs qui détectent les photons du fond cosmologique par réchauffement. Et sur, entre autres, les dépôts de vapeur sur la surface de ces bolomètres pour créer une compagnie qui s'occupe des... comment ça s'appelle les trucs, les sprays, là, surtout médicaux, où vous devez essayer de donner une dose la plus précise possible, justement, et si j'ai bien compris, le système là, c'est utiliser le dépôt de vapeur sur un détecteur pour vérifier que la dose qui était inhalée est la bonne dose. Donc là aussi, il a précisé que tous ces gens-là gagnent beaucoup plus que lui. Il a un petit salaire parce qu'il est uniquement prof à Paris 7, donc c'est pas des gros salaires, mais qu'il gagne beaucoup plus que même qu'un professeur de Berkeley.